route se poursuit ici au Hara du Hognet où il fait une chaleur évidemment torride. Et ici, l'actualité, eh bien, c'était l'arrivée de Montmartre qui rentre étalon ici à côté de Pinis Picnic. On va tout de suite demander un petit mot à Anthony. Alors, les premiers folles de Pinis arrivent, enfin, sont en train de naître. Déjà arrivés. Alors, comment sont-ils ? Sont très beaux. On est très agréablement surpris de cette belle production parce qu'on en a déjà 4 qui sont nés. J'en ai déjà vu 3 parce que j'en ai 2 au Hara et puis un dont un éleveur m'a envoyé des photos. Et on est très contents parce que c'est des beaux produits, solides, musculeux comme lui. Et non, on est très contents. Ici, rappelle-nous où est-ce qu'on est, combien de hectares, votre jumenterie, un petit peu les nouvelles du Hara du Hognet. Donc les nouvelles du Hara du Hognet, donc on a 5 étalons qui sont situés donc au Hara du Hognet, donc on est sur la commune de Lessard-et-le-Chêne. Et entre parenthèses, et je le dis parce que mon père en est très fier, c'est lui le maire de la commune, c'est la commune en France où il y a le plus de Hara, donc je le signale. Donc à Lessard-et-le-Chêne, entre Livarot et Lisieux. Et on est sur une superficie de 170 hectares. Donc on a des juments, plats, obstacles, et les étalons pareil, de plats et d'obstacles. On essaie de satisfaire tout le monde. En digne fils de Kelef, Pinis Picnic a été un superbe 2 ans. Entraîné par Didier Guillemin, il a en effet remporté la première liste du programme français pour les 2 ans, le prix La Flèche, puis il a poursuivi toute son année de 2 ans par un succès dans le prix Eclipse, groupe 3, et un couronnement dans le critérium de Maison Lafitte, groupe 2, sur la ligne droite de l'hippodrome mancenien. Très bonne origine maternelle également, à tel point que sa mère a été exportée au Japon. Pinis Picnic est le neveu de Pinis Gold, par King Mambo, gagnant du prix Quincey, groupe 3, sur l'hippodrome de Deauville. Sa troisième mère est l'inoubliable Mrs. Penny, qui a réussi le doublé prix de Diane, prix Vermeil, à l'âge de 3 ans, alors qu'à 2 ans, elle s'était montrée très précoce, puisqu'elle a gagné le Chevrolet Park Stakes, groupe 1, sur l'hippodrome de Newmarket. On note également une deuxième place dans les King George, dans un exercice complètement différent, c'est-à-dire sur 2400 mètres, tandis qu'elle a été placée des 1000 guinées d'Angleterre et d'Irlande. Formidable donc Mrs. Penny. Avec son modèle d'1m62 taillé pour la vitesse et sa mère par King Mambo, Pinis Picnic a débuté sa carrière d'étalon au Hara du Hognet en 2014. 90% de juments pleines. Il poursuit donc son œuvre au Hara du Hognet toujours à 3 000 euros en 2015.